Bezrat Hashem, bien que dans quelques jours, tout Am Israël va s'apprêter à vivre et à célébrer Yom Kippour, ce jour si important, que tout Am Israël vibre pour Yom Kippour, et bien aujourd'hui, Rabotai, on va parler de la mitzvah de Souka qui vient immédiatement quelques jours après Yom Kippour. Alors d'abord, pourquoi c'est étonnant de voir que Soukhot vient juste après la fête de Yom Kippour? Alors imaginez, votre fils, votre tendre fils, celui que vous aimez tant, il vient vous voir et dit « Papa, papa, prends-moi dans tes bras, papa, fais-moi un câlin !» Alors techniquement, bah, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que l'enfant, il vient, il est plein de boue, il est sale, il a plein de chocolat. Et vous, vous avez la belle chemise, le beau pantalon. Écoute-moi, mon fils, je veux bien, tu sais combien je t'aime. Viens, on passe par la salle de bain, je te fais une petite toilette, je te sèche, et après, il n'y a pas de souci. Bah pareil, la Souka Rabotai, dans le Zohar Kadosh et d'autres Sfarim HaKadoshim, écrit que c'est Tzila de Meminuta. On est sous les ailes d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu vient nous prendre dans ses bras. Alors pour être dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, vous imaginez bien qu'il faut être propre. Akadosh Baruch Hu dit d'accord. D'abord, on va faire un petit nettoyage. Yom Kippour, la journée du Karcher. Akadosh Baruch Hu vient à nous faire la toilette, il vient nous nettoyer. Nous, on fait l'effort de venir Yom Kippour, de faire le vidouille, d'avouer nos fautes à Akadosh Baruch Hu. Il nous nettoie, il nous purifie. Ensuite, on va pouvoir vivre 7 jours dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Donc la mitzvah de Souka, c'est une mitzvah incroyable, incommensurable. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on va vivre, on peut vivre avec Akadosh Baruch Hu. On va manger, dormir, danser, chanter. Incroyable. Mais pour accomplir cette mitzvah, il faut une chose indispensable. Comme vous l'avez deviné, c'est quoi? C'est une Souka. Il faut une Souka. C'est pour ça qu'on fait le secours là, maintenant, pour qu'on puisse se prendre à temps, pour qu'on puisse s'organiser pour avoir une souka. Très souvent, on entend les gens, ouais, mais moi, je ne peux pas faire la souka, j'ai pas de souka, la souka, c'est cher, je sais pas. Et dis-moi, quand tu pars en vacances, combien ça te coûte la chambre d'hôtel? Un zimmer, autre, tu sais investir. Et ouais, mais c'est pas pareil, je passe des vacances avec ma femme, mes enfants. D'abord, premièrement, dans la souka, tu peux être avec ta femme et tes enfants. Mais en plus de ça, t'es avec la Shrina, avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il vient te prendre dans les bras, il dit, viens mon fils, viens 7 jours. Shiva, tu as mis un petit jour basuka, venez avec moi, 7 jours. Incroyable, incroyable. On serait prêt à payer pour passer 24 heures à Ouman, les avions, les transports, pour passer 2 heures avec le plus grand Rav. Non, on n'est pas prêt à payer quelques euros pour vivre 7 jours avec Akadosh Baruch Hu. Le faire résider dans notre... En tout cas, sans compter les Sheva Ushpizin, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, chaque jour, chaque soir, ils vont venir accompagner la Shrina. Ah, c'est une mise incroyable. Il ne faut pas se contenter de la Souka de la synagogue. Ah, si vraiment, vraiment, quelqu'un il habite très très loin, en banlieue parisienne, où il n'a pas d'autre choix, c'est une sacanate des fachotes de dormir dans un souka, d'accord. Quelqu'un qui habite en Israël, quelqu'un qui habite dans une zone pavillonnaire, il doit faire la souka pour manger, vivre. Je connais des gens qui louent un appartement spécial pour pouvoir faire la souka, parce qu'ils comprennent que c'est pas moins important, c'est plus important, d'accord, que de partir en vacances. En vacances, j'ai oublié de passer 10 jours à la mer, 10 jours à la piscine, le ski. Et bien, tu as une semaine, tu dois vivre dans la souka. D'accord? Sachez que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas les moyens, il doit acheter ou les Arbat Amini, d'accord, ou bien la souka prime. Parce que la souka, c'est une mitzvah, c'est jour et nuit, d'accord, et c'est 7 jours. Alors que la mitzvah de l'Oulam, c'est d'Oraïta, c'est que le premier jour. Donc, on doit commencer à réfléchir. Où je dois acheter la souka, comment la construire, où la construire. Alors si on la mis dans une résidence, ou dans un immeuble, ou dans un lotissement, c'est en France, alors il y a plusieurs juifs, on a qu'à s'associer, on prend ensemble, on construit une souka ensemble. Et en Israël, on peut construire des soukas partout. Partout, là où vous voulez, vous pouvez vous construire une souka. Maximum, vous avez 7 jours pour la démonter. Donc, Rabotai, il faut prendre conscience de la mitzvah de souka, d'accord, qui se présente à nous, c'est une mitzvah incroyable. C'est une des mitzvot
d'accord, qu'on peut faire avec tout notre corps. Il n'y en a pas beaucoup dans la Torah, il y a 3 mitzvot qu'on peut faire avec tout notre corps. Et à Souka, on rentre entièrement, de la tête aux pieds, on est enveloppé dans la mitzvah. On rentre dans la mitzvah. Il y a la Souka, il y a la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, habiter en Eretz Israël, et il y a celle du Mikvé, où on plonge dans le Mikvé, on est comme ça, on rentre dans l'eau. Donc la Souka, c'est une mitzvah qu'on va faire avec tout notre corps. Imaginez que vous dormez, il y a une mitzvah de dormir dans la souka. Vous dormez dans la souka, et le compteur comme ça, il tombe. Vous faites rien, juste vous dormez. Dormez, et une mitzvah d'oraita comme ça. Vous pouvez vivre, vous pouvez faire augmenter encore votre capital mitzvah, hein, vivant dans la souka. Alors, il faut faire attention, parce que la souka, c'est la kedusha de la souka, elle est plus grande que la kedusha de la Beth Knesset. Le mec dans la Beth Knesset, on ne parle pas de choses futiles, on ne va pas commencer à ouvrir le téléphone et à regarder des choses. On se comporte avec sainteté et kedusha dans la souka aussi. Quand on parle qu'il faut manger, chanter, c'est tout le temps avec dignité, avec kavod et bon, Hashem, avec kedusha. Donc Bezrat Hashem, d'accord, on reviendra Bezrat Hashem à l'époque de Sukkot pour parler encore de la grandeur de la souka. Mais juste dès à présent, chacun doit prendre conscience et s'organiser comment il va construire la souka, où est-ce qu'il va construire la souka, parce qu'on ne peut pas laisser passer cette mitzvah. Surtout que c'est un mifran, c'est un examen. Après Yom Kippour, on a pleuré, on a demandé à Kadosh Baruch Hu, pardon, combien Hachem, combien je t'aime, Avinu Malkenu, oh, ok. Kadosh Baruch Hu dit, d'accord, tu m'aimes, alors va dormir 7 jours dehors, va voir. Elle dit, ah, mais bon, attends, tu veux. Ça fait un mois que tu te lèves tous les matins au Slichot, à Seretier Mutchouva, t'as pris sur toi. Yom Kippour, t'étais là comme ça, Hachem ou Elohim, Hachem. Non, Hachem ou Elohim, il te dit, va dormir 7 jours dehors. Il dit, ouais, mais non. Rabotai, c'est l'examen. Alors, allez commander vos soukotes. Sur Rav Hachem, on ne vend pas de soukotes, d'accord, on ne fait pas de. Mais vous allez voir autour de vous, vous allez trouver. Bezrat Hashem, chacun va se débrouiller, va trouver, il y a des soukottes partout, Baruch Hashem en Israël, il y en a à chaque coin de rue, en France aussi, Baruch Hashem aujourd'hui ça s'est bien développé, il y en a pour tout le monde, alors à vos soukottes, à vos marteaux, vos tournevis, à votre imagination, vos portefeuilles, ce que vous voulez, mais ne laissez pas passer cette mitzvah si importante de vivre dans la soukha. Bezrat Hashem, qu'on se retrouve tous sur la grande souka à Yerushalayim avec le Beth Amikdash Bimeramenu. Je pense que celui qui a eu le mérite et a fait l'effort de construire et de vivre dans la souka toutes ces années aura le mérite et le privilège de rentrer dans le carré VIP là-bas, dans la grande souka là-bas au Beth Amikdash. Je dis, toi tu faisais la souka. Ça rentre. Et celui qui n'a pas fait l'effort, il dit, attends, on laisse passer d'abord ceux qui avaient l'habitude et l'effort de faire. Je me rappelle, en France, on faisait comme ça, on marchait, c'était la synagogue, elle était loin, il fallait marcher comme ça une demi-heure pour arriver à la souka et avec le caddi et les. On arrivait, il pleuvait. Et bon, Baruch Hashem, on a fait tant d'efforts que. Kadosh Baruch Hu, ouais, on voit Baruch Hashem, on remercie Kadosh Baruch Hu, on est maudit à Kadosh Baruch Hu, à le scout de mon papa et de ma maman. Et aujourd'hui, on a des belles soukottes, on est Eretz Israël. Alors, ça paye, les efforts, ça paye. On a vu aujourd'hui, Bezrat Hashem, on verra encore plus demain, à l'époque du Beth Amikdash, les Merabenu, Amen, Keni Ratzon, Kol Tov. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com. Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la DAF de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt!